Dans la nuit des mots, j'ai dit de la fille, de l'âme et du corps, de l'homme et du loup, de l'air et de l'eau, de tout ce qui crie. Mais si peu de vous, mais si peu de vous, je ne sais pas bien si je dois le dire, mais parfois je sors de ce corps. Et je vais très loin voir si le vent vire au bout de mes jours, au bout de mes jours. Et je vais très haut pour voir si la terre a vu dans ma vie les fleurs de sa mort. Je ne sais pas trop si je dois le taire et le froid me mord et le froid me mord. Je suis ce grand feu qui tue et qui mange l'arbre, l'eau et l'air, la chair et le sang. Je suis ce faux dieu entre l'homme et l'ange qui me rend naissant, qui me rend naissant. Parle-moi du jeu, du rire et des roses et de l'eau qui chante et de l'eau qui dort. Chanter encore. Parlez-moi un peu de vous pour que j'ose vous chanter encore, vous chanter encore. Un jour à temps, je me rappelle, il y a de ça quelques années. Un jour à temps, je me rappelle, c'était un soir, non, en matinée. J'avais pris place dans un fauteuil face à la scène. Mon cœur battait lentement, s'ouvrit tout grand. Alors je vis quelque chose d'étrange, la vie, la mort s'entrecroiser. Alors je vis quelque chose d'étrange, l'amour, la haine se batailler. Et à la fin, quelque chose d'étrange, moi, bouleversé. Je n'osais plus quitter ma place pendant ton bel rire. Un jour à temps, je me rappelle, il y a de ça quelques années. Un jour à temps, je me rappelle, c'était un soir en février. J'avais pris place sur une scène et lentement. Et maintenant l'ennui, l'espoir, les joies, les peines en moi ferraillent. Et maintenant j'attends, j'ai peur et je suis seule. Mais toi l'amour, pense à moi, toi qui règnes sur la scène.
Vous savez, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, que ce soit monter un spectacle, faire une marche des femmes, un référendum, tout ça commence par une simple idée. Mais il faut voir le chemin qu'une idée peut faire quand le mental s'en empare. Ça nous prenait probablement un Français pour nous écrire quelque chose sur le processus déroutant du mental. Non, mais ils vivent très proche du mental. À chaque peuple, sa force, et ils l'ont, celle-là. Alors, de Jacques Higelin, la fuite dans les idées. Un soir où je prenais racine, entre la cuisine et le bar, dans un état secondaire, planté comme un conifère devant ma machine à frapper les mots, incapable d'en aligner trois, sans me sentir aussitôt la proie d'une effroyable certitude. J'avais beau me gratter la tête, réembobiner la copie cassette, ou un quatuor de pointure, ténor de la poggiature martyrissait le morceau que j'avais pompé sans le savoir agencé. Bastien Bach, Vivaldi, Albinoni, et peut-être aussi à Wolfgang Amadeus Mozart. Me suivez-vous? À désarmer devant les aléas de la création. Là, je me sentais comme une chenille accablée à la pensée de finir papillon. Lorsqu'une idée sublime, gracieuse et légitime, surgit du fond de mon inconscient, ça va tout naturellement sonner les mains, tine entre mes deux tympans. Je touchais au but, tendu comme une sauterelle en rute, un uppercut à la cervelle me décroche à l'occiput. Une foule d'idées préconçues, un flot d'idées contradictoires, un paquet d'idées saugrenues, un tas d'idées sans qu'une tête, par le canal de ma mémoire, s'est emparé de mon intellect qui lui a mis le grappin dessus. Vous me suivez toujours? Et l'idée fabuleuse qui me paraissait digne des esprits les plus performants, l'idée faramineuse dont la lumineuse clarté allait confondre l'humanité. Une idée simple et forte qui m'ouvrirait les portes de la gloire, de la notoriété, de la faculté des lupanards, à savoir de l'Académie Charles Cros. Laissant dans mon esprit délabré cette pensée que je vous donne à méditer. À quoi bon se faire trop d'idées si on ne peut les dominer? J'espère que vous n'allez pas m'abandonner. C'est toujours la première idée qui est la bonne. T'as des projets, Paul? Il y a un problème avec la première idée. Souvent, par notre manque de confiance, on la laisse passer. Ou alors, carrément, on l'oublie. C'est toujours la première idée qui est la bonne. D'ailleurs, si je me souviens bien, la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, j'ai dit, elle est belle, mais mon Dieu, qu'elle est compliquée et fatigante à chanter. Ne... J'aurais aimé être une rivière qui coule partout limpide et clair. J'aurais aimé frôler la terre, sauter, danser sur chaque pierre. J'aurais aimé être une rivière, mordre au printemps, dormir l'hiver, sentir le vent et l'eau de pluie.
vivre au présent, noyer l'ennui. Dire au bonheur debout, bien droit, salut, c'est moi. M'étendre nu dans la clairière, j'ai mis le pied sur une bouteille, il y a comme une tache sur le soleil. J'aurais aimé être une rivière, descendre l'estuaire jusqu'à la mer, écluse barrée, écluse fermée, je ne sens plus les vagues me porter. Pied droit, salut, c'est moi. Ne pas compter les jours, les heures. Dire au bonheur debout, pied droit, salut, c'est moi. Avoir ton heure, chasser les froids, toucher ton cœur. Là, bientôt deux hivers, j'ai perdu ma mère. Et c'est quand on perd ses parents qu'on s'aperçoit à quel point on est vu, qu'on est regardé, examiné, soutenu, à quel point ils sont témoins de toute notre vie, si bien qu'on se rend quand même au printemps qui suit. Et on se surprend à penser qu'être adulte, c'est tailler, couper des arbres en sachant très bien que personne ne nous regarde. On grandit comme l'arbre, on durcit comme marbre, puis on se salit un peu, puis on se passe dans le feu. Manteau d'amour que le nom
sur le gros dos de la vague, sans but, sans fin, sans bruit. J'ai un fils enragé. Il ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur, j'ai crié à l'aide, au secours quelqu'un. Le grand voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins. Fils est en prison, et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi,
entre la chair et l'os, s'installer la colère. Beyrouth, Babylone, Bethléem, Alger. Moi, Blafaroud, je cours chez Powali. Des rues, encore des rues, des ruelles, encore des ruelles. À chaque fois, on est arrêté par des amoncellements de corps, par des barricades de corps, à moitié mort, à moitié vivant. Je cours chez Powali. Des rues, encore des rues, des ruelles, encore des ruelles. Choisir une arme, la prendre dans tes bras comme on prend un enfant. Comment fais-tu pour reconnaître ceux que tu veux tuer? Ils ressemblent tellement à ceux qui sont à tes côtés. Tout ce que je voulais, c'était dormir, dormir, trouver une place où poser ma tête. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Caressant son fusil, il est sorti au milieu de la rue. Il s'est retourné. J'ai vu pour la dernière fois ses yeux bleus, son corps si grand. Je me suis senti loin, très loin. Sauver ma peau. Sauver ma peau.
le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans, c'est plus vrai. Les femmes font l'amour librement. Au 4e congrès international des femmes, le Vatican ne veut rien savoir en ces termes que les femmes ont une vie sexuelle. Intéressant. Les hommes ne travaillent presque plus. Ça, c'est vrai, mais c'est pas voulu. Le bonheur est la seule vertu. Où ça? De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue le. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. En tant que futurologue, je peux vous assurer que nous sommes présentement dans une multicrise. Crise de l'emploi, crise de l'énergie, crise de la matière première, crise alimentaire, crise de la démographie, crise de l'autorité, crise de la démocratie. Et moi-même, je sens que je vais piquer une crise. Changer le monde, livrer le bon combat. Changer le monde, changer d'allure et de coiffeur. Je veux me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. Changer le monde, choisir moi-même les armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. En deux clichés, où il y a les top modèles, où il y a les nabos, et ceux qui se donnent le droit de décider de ce qui est laid et de ce qui est beau. Tannés de ceux qui prennent leur miroir au sérieux, ceux qui disent le pouvoir et l'argent, qui jouent. C'est Disney World à grandeur de la planète. Et qu'il nous reste juste Mickey, Donald et Goofy pour nous raconter toutes les histoires et toutes les légendes de tous les peuples et de tous les pays et ceci réchauffé, servi tiède avec un McDo à nos enfants. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière. Parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut le mettre en mini-jupe and speak English. Faire ça à elle, l'île d'Orléans, notre fleur de lys. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai. L'intérieur des enfants brûle, le nez on fait des majuscules en trois couleurs pour bafouiller. L'ordinateur occidental chante le facteur qui lui manque, l'ordre dans l'estomac des banques. La guerre bat
bâti l'hôpital. La faim donne des réceptions. La soif dispose de la pluie et des poubelles qu'on oublie. Fuse des pains et des poissons. Envoyons de l'avant nos gens. Envoyons de l'avant. Envoyons de l'avant nos gens. Envoyons de l'avant. Monsieur Einstein, dites-nous quelle sera l'arme de la prochaine guerre mondiale. Le rayon de la mort, la guerre bactériologique, la prochaine, je l'ignore, mais celle qui suit, je la connais. Oh, cher maître, dites-nous quelle est cette arme. Le lance-pierre, messieurs. Le lance-pierre. Avant-eux, avant, les cuplés, la fleur, l'oiseau et nous étions. Sans liberté, mais ils sont arrivés. Et la fleur est en pot, et l'oiseau est en cage. Et nous, en numéro, car ils ont inventé prisons et condamnés, les casiers judiciaires, les trous dans la serrure, et les langues coupées des premières censurées. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre. Quand pour 10 éléphants, il y avait que militaires. Mais ils sont arrivés, et c'est à coup de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe en napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Est une mince couche de terre ferme, d'eau et d'air qui enveloppe le globe de notre planète Terre. Seul habitat jamais accessible à toutes les créatures vivantes que nous connaissons, y compris l'homme et la femme. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui tourne dans. Sur une boule.